Hey, salut tout le monde, bienvenue dans la radio. La France en pleurs ce soir, la France éliminée de cette Ligue des Nations aux dépens de ces diables d'Allemands, les Teutons qui nous ont eus ce soir. Et on va tenter de sécher nos larmes tous ensemble dans cette émission. Avec moi, comme d'habitude, j'ai les fameux zigotos de la radio, du staff, Skyman, Sino, Kedo, tout ça, Anto, pareil. Comme d'hab, on va enchaîner premièrement avec le débrief du match équipe de France. On aura le GM, Mika, on aura Anna, Anto aussi qui m'aura donné son avis. Et après, on enchaînera avec les barrages. On aura quelques GM pour parler de ce fameux barrage Ligue 1 Ligue 2. Le main event avec le tirage de la CPL. Et quelques infos sur la saison 2. Voilà, menu costaud. Et on va directement enchaîné avec le premier sujet, l'élimination de l'équipe de France. Alors, le temps que je t'en mette l'image, est-ce que nous avons le sélectionneur parmi nous? Oui, bonsoir. Est-ce que nous avons le co-sélectionneur parmi nous? Oui, bonsoir. Est-ce que nous avons Antelope de l'équipe de France parmi nous? Je suis là, bonsoir. Ah, il dit Claude d'ailleurs, lui. Très bien. Bon, dans le chat, n'hésitez pas à me dire pour le niveau des micros. J'essaie de régler par rapport à la semaine dernière, je sais que c'était un peu faible. Alors, les images qui vont pas faire très plaisir. France-Allemagne, le débrief, les bleus éliminés. Voilà. Donc pour ceux qui ont suivi le match, vous avez vu. Défaite 2-0 au match aller. Réaction rapide au match retour. Alors, avec un rouge en plus au match aller. Donc il fallait bricoler. Réaction ra rapide au match retour avec une ouverture du score qui a longtemps permis de croire à une remontada des folies de folie. Hélas, les Allemands ont réussi à égaliser et voilà. 2-0, un partout. On est dehors malheureusement. Donc Mika, qu'est-ce que tu peux dire sur cette désillusion? Je suis un peu sans voix aussi là, je suis deg, tout simplement. Bah ouais, moi aussi, je suis vachement déçu parce que on avait fait un bon entame de match sur le match aller. Franchement, on était en place. Après, on voyait que le niveau était un peu égal entre les deux équipes. Donc, on avait du mal un peu à se départager. Et puis, on sentait quand même qu'on était un peu meilleur sur la première mi-temps. On avait quelques occasions franches et eux, ils en ont pas. Et on se dit ça a poussé en notre faveur, et puis ce fait de jeu, le carton rouge, qui nous casse un peu, je pense, la tête, et derrière on enchaîne, on prend deux buts. Et du coup, perd 2-0 le match aller, on se dit bon, faut se bouger sur le match retour, donc on entame le match retour, mais de la meilleure des manières, puisque au moins 10 minutes on mène 1-0. Mais c'est une équipe qui était vraiment bien en place, on a essayé de les bouger un maximum, et puis eux, sur une occasion. Il marque ce 1-1, après c'est beaucoup plus compliqué que ce soit mentalement, même si on essaie de faire ce qu'on peut. Mentalement c'est compliqué, sachant qu'on doit marquer encore 3 buts derrière, c'est compliqué. Quand on voit les stats, enfin, on a un nombre d'occasions, on était au-dessus, on avait une possession de balle largement au-dessus, mais ça n'a pas suffi. Ils ont porté parce qu'ils gèrent quand même assez bien défensivement. Et ils ont quelques situations chaudes. Mais bon, c'est comme ça. On est un peu déçu du coup. Anna, ton sentiment? Ouais, pareil que lui, hein. Ils ont pas mal chaté quand même les Allemands, hein. Surtout en défensif, hein. Putain. Il y a des joueurs qui traînent par là, qui dévient la balle, alors que bon. On a eu beaucoup d'occasions, on les a maîtrisés les deux matchs en vrai. On prend ce rouge un peu malheureux, hein. Qui était même pas intentionnel, il voulait même pas tacler en plus de base. Et là, ça nous tue. Peut-être que on aurait peut-être pu passer un ailier en latéral ou enlever un MC, je sais pas. On a préféré resserrer en 3 def et de rester comme ça, mais on aurait peut-être dû faire autrement. On prend deux buts sur les sur les seules actions qu'ils ont eues de tout le match. Et après, le match d'après, on met un but rapidement, ça nous met en confiance. Derrière, ils en mettent un direct. Après, c'est beaucoup plus dur, hein, surtout qu'en plus, il y avait un match.
comment dire, match à domicile, il fallait prendre les buts à domicile et tous les trucs comme ça. On devait en mettre combien? 3, 4? C'était chaud. Ouais, il fallait gagner 4-1 à partir de l'égalisation allemande. Il fallait gagner 4-1 pour ouais. pouvoir passer. C'était chaud. Ça aurait pu, hein. Ça aurait pu. Mais le premier match, en vrai, on a nos occasions, on a nos moments forts, comme je dis, hein. Ce FIFA, les moments forts, faut les mettre dedans. Si tu les mets pas dedans, c'est pas la peine. Parce que dans le match, l'adversaire aura son moment fort aussi. Enfin bon, bien joué à eux. Ouais. Anto, t'as regardé le match toi aussi? Oui, pour une fois de bien vu entièrement de l'extérieur, ouais. Donc bah pas mal de choses à dire. Vous avez déjà bien élagué le terrain. Première mi-temps, c'était bien engagé, franchement. Domination. Ils ont une occasion, grosse occasion que Nico Kyle sort bien. Je sais plus d'où elle vient. Enfin, un truc vraiment un arrêt assez dingue. Après, les Allemands, ils n'ont pas eu une occasion du match. À part sur les deux buts, quoi. Le problème, c'est que nous, on n'a pas concrétisé. Les Allemands sauvent deux frappes quasiment sur la ligne. Le gardien est passé. Un retour, on ne sait pas comment, du défenseur central qui l'enlève. Puis un sauvetage sur la ligne, comme je disais. Derrière, on prend un rouge. Enfin, pour moi, je pense que Johan voulait pas tacler, mais à ce niveau-là, c'est le genre d'erreur inadmissible. Tu dois pas même vouloir, ne pas vouloir, je sais pas. On doit pas prendre un rouge à ce niveau-là et à ce moment-là du match. Ça a tué le match, puisque derrière, 2-8, hein, je pense que tout le monde a vu. Le deuxième match, un peu plus équilibré, j'ai trouvé, même si les Allemands ont fait que de défendre. Hein. C'était un attaque-défense tout le match. Ils ont marqué sur leur première grosse occasion. Et après, bah, un partout, fallait en mettre trois autres. C'était pas impossible, mais on sait que dans le jeu, c'est compliqué. Contre une équipe qui joue à 11 derrière, c'est quasiment mission impossible. Pardon. Oups, excuse-moi, j'étais en mute. Hein. Je t'écoutais bon. Je t'écoutais religieusement. Je voulais dire par rapport au carton rouge de Johan, est-ce que vous pouvez décrire ce carton rouge vite fait pour ceux qui ont peut-être zappé le rouge en live ou n'étaient pas là? Je sais pas, Anna ou Mika, si vous avez. Franchement, je ne me rappelle même plus comment ça s'est passé. Moi, pour moi, c'est le mec qui était passé, il a taclé. Tu sais, il venait de perdre la balle, le mec la récupère, passe devant et lui, il tacle derrière. Je crois que c'est comme ça que ça s'est passé, mais après c'est ça. Moi aussi, même là, il voit de suite, j'ai taclé, je voulais pas faire ça, je tampais le bouton, je sais pas ce qu'il dit, et on sait direct qu'il va prendre le rouge. Relance allemande, ouais, l'allemand passe devant, et moi, sur le moment, j'ai pas compris le tacle en fait. Je pense qu'il a arrêté. Je sais pas pourquoi il appuie en fait, peut-être un mauvais réflexe, hein, mais ouais. Bon, c'est le genre d'erreur qui coûte cher. Quoi. Petit excès de. Peut-être excès d'engagement, non? Je pense que voilà, l'équipe était pas en place sur la relance allemande et du coup ça. Flex a fait que il a attrapé la jambe de l'allemand. Et l'arbitre, bah rouge direct, hein, il a pas calculé quoi. Un petit mot sur l'état d'esprit là dans le vestiaire après cette élimination, je sais pas si vous avez eu le temps de recueillir un peu les sensations. J'imagine que tout le monde est dépité, je vais pas être original en disant ça, mais. Ils se sont noyés dans le bac de cryo. Là, on sent la frustration de beaucoup. Donc... Ouais, voilà, j'ai plusieurs combes, je vois dans les différentes combes. Ça se cherche des coupables, des excuses, mais. Pour de vrai, un autre match, on fait un autre match, les occasions, on les met au fond, et puis voilà, on s'en sort à 3 ou 4-0 au premier match. Johan qui a jamais fait une boulette dans tous les matchs qu'on a fait, là ce soir il nous fait ça, des petits détails. Même le réalisme, hein, généralement quand tu vois la semaine dernière, on a 100% de réalisme, mais là ce soir on a vraiment eu voilà. Dans le jeu, quelques petits trucs qui allaient pas aussi, mais bon, ça s'est pas joué, c'est pas ça voilà, qui a fait qu'on a perdu, hein. On l'a répété, hein, ça se jouerait sur des détails, et ces petits détails ont fait que ce soir on passe pas, on va pas en finale. Comme ça. C'est pas grave, après la Ligue des Nations elle permettait genre de construire le groupe. On a été aussi loin, c'est bien, on aurait pu la gagner, c'est mieux.
Mais après, on essayait de préparer le groupe pour la suite, hein, donc bon. On a rencontré de belles équipes, on sait déjà quelques équipes qui sont à craindre un petit peu. J'aurais bien aimé rencontrer les Russes en finale, mais. Danaef, ton ami Danaef, pour Ouais, il était bien lui. un épisode 2. J'ai vu qu'ils ont bien écrasé les Turcs. Ils ont bouffé kebab, les Là, Russes. j'en parle tant. Bon, bah, puisque tu parlais de cette Ligue des Nations, tu faisais la transition parfaite avec ma question suivante. Puisque, hélas, c'est le moment de faire un peu le bilan. On verra s'il y aura un match pour la troisième place. Hein, faudra voir avec le GM turc. Si vous aussi vous avez envie, je laisse ça ouvert. Si veut. Bah, étant une Ligue des Nations, ce serait bien même un podium complet Classement. avec au moins trois équipes, quoi. Ouais, Donc pourquoi obligatoirement d'avoir un quatrième. pas. Ouais, pas. Ouais, pourquoi ce qui pas. nous amène donc à faire déjà, on peut faire un mini bilan de ce parcours. Qu'est-ce que vous en tirez, vous, de cette Ligue des Nations là pour l'instant? Moi, par rapport aux équipes. Ouais, donc par rapport aux équipes, par rapport à la fondation du groupe, l'évolution du groupe. On a un groupe plutôt soudé déjà, c'est pas mal, hein. Ça faisait quelques temps que j'avais pas vu ça. Hein. On est quand même pas mal dedans. On est quoi, 23, 24, je sais même pas. On est 25. Tout le monde est dispo. On a fait Ouais, deux j'ai pas équipes, grand c'est tout. chose à dire. Hein. Ce soir encore, on a fait deux équipes, malgré que la deuxième équipe, elle est finie à 22h30 par rapport au match là contre les Allemands. Et la coupe là, ouais. Moi qui craignais plus les Allemands. Une autre équipe, au final, non, je trouve les Russes bien au-dessus, hein. Et je pense que les Russes vont les manger. Ah. Après, Ça risque d'être un peu plus fermé, mais ouais, je pense que les Russes y vont gagner. je Tu pense l'as vu, aussi. tu les gars, la semaine dernière. Tu dis que la France a été au-dessus des Allemands. C'est vrai. Vas-y, Qui a dit ça? continue ton. T'étais en train de développer, tu t'es arrêté là. Non, j'ai arrêté de développer, je me suis arrêté parce que j'ai entendu un écho là. Non, j'avais dit clairement que les Français étaient au-dessus des Allemands et que les Russes allaient gagner. Parce que je pense fortement qu'ils vont gagner les Allemands. C'est dommage pour les Français parce qu'ils ont vraiment bien joué. Je tenais vraiment à souligner surtout la performance de Puymanson. Il est vraiment extraordinaire. Il faudrait un Puma dans chaque équipe. Désolé, il peut pas passer algérien, excuse-moi. Non, t'inquiète pas, c'est pas grave. Mais franchement, c'est vraiment un plaisir de le voir jouer, clairement. Voilà, c'est juste tout ce que je voulais Il dire ratisse, sur hein, le il fait match. correctement son taf, hein. Ouais, c'est pas grave, je l'aime quand même. C'est pas le mec qui va se projeter ou des trucs comme ça, c'est très bien comme ça. Il fait son boulot, hein. Il fait son boulot, c'est ça, il fait vraiment son boulot, il cherche pas à faire plus et Ouais. il le fait très bien. Non, C'est vrai, c'est vrai. franchement, c'est très rageant parce que, comme il l'a très bien résumé, il y a vraiment eu une domination française, mais malheureusement, ils ont pas réussi à concluer. C'est dommage. Il y avait le mur de l'Atlantique en Ils face, ont de toute pas façon. réussi à concluer. T'as, À conclure. relève pas des trucs comme ça, attends. À Je vais te conclure. niquer, putain. Il est 23h05, je suis fatigué. À conclure, pardon. Et non, tu t'es encore fait manger sur ton côté. Ça n'a pas changé. Après Qu'est-ce que tu racontes? Danev, là c'est l'allemand. L'Allemand, il m'a mangé sur le côté. Ouais, est-ce que je dois mettre une ambiance au Toulon un peu ou. Ouais, calme-les un peu, Non, mais Marco, je me là, sors rappelle la même pas en cloche. plus. Mais de toute façon, demain il y a débrief, je regarderai le match, mais je m'en Non, souviens même pas. je te taquine, je te taquine. Bon, messieurs, avant de vous libérer pour cette partie équipe de France, peut-être un petit mot sur les échéances à venir du coup. Eh ben, on a l'Euro qui doit démarrer mi-février, je sais pas la date exacte encore. On attend l'Euro VPA. Donc ça c'est le principal. Après normalement Les dates on sont pas aura. connues encore. J'ai pas la date exacte. On m'a dit mi-février. Ah ouais. Mais ça bouge un peu là par rapport à une semaine en arrière. Là, les équipes nationales. Les équipes arrivent petit à petit, mais j'ai pas la date fixe encore. Ils ont pas fixé la date. Donc la prochaine échéance c'est l'Euro. Après en parallèle, je sais pas, peut-être y aura la VPL ou. Je sais pas encore. Mais principalement l'Euro. Qu'on attend impatiemment aussi, puisque comme il a dit Anna, cette Ligue des Nations nous permettait aussi de fonder ce groupe et de nous préparer pour l'Euro qui arrive.
Ok, très bien. Bah, en tout cas, on vous suivra comme d'habitude avec un œil averti. Et on espère évidemment de belles performances à l'euro. Si vous avez des avis là dans le salon vocal, n'hésitez pas à le dire hein, avant qu'on passe au second PM. Pour moi, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Voilà. Bon, ça a été bien résumé. C'est encourageant dans le jeu, mais c'est un peu dégueu par rapport au scénario de cette demi-finale où clairement, 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 on pouvait passer. On devait Après, même passer. faut pas rougir pour moi de la prestation de l'équipe de France. Les Allemands, on savait très bien qu'ils étaient favoris en même temps. Ouais, favori, mais là où c'est frustrant, en fait, c'est pas une question de favori, en fait. C'est que c'était faible par rapport à ce que je pensais. C'était pas aussi fort que je le pensais. Voilà, plus comme ça, parce que si c'était faible, après il y a tous les Allemands du chat, là, les petits PD là, qui ouais. Ouais, par exemple, la Russie, on a vu vraiment qu'il y avait un certain niveau quand même. Quand on a Voilà. joué, c'était compliqué à jouer vraiment. Les Allemands, ils Voilà. n'ont pas été là où on les attendait en fait. Ouais, c'est On ça. les attendait bons devant et ils ont été solides derrière, quoi. C'est surtout très discipliné en défense. Les mecs, quand Mais ils se ça. repliaient, t'avais un mur, t'avais 5 mecs devant, vous aviez beau frapper, essayer de passer, c'était pas un mec à Ah ouais, il y passer, avait c'était trois. Le gardien, quand il se faisait passer, il avait deux autres gardiens derrière lui qui ont sorti toutes les frappes. Ils ont eu juste ça, et puis après, ils ont déroulé leur jeu classique. C'était Et tout le temps quand le le gardien même. était battu, tu avais un défenseur sur la ligne pour la C'est sortir, quoi. ça, c'est ce Deux que j'ai fois, hein, dit. deux fois dans les deux matchs, quoi. Donc, ouais. C'est à noter, hein, parce que les Russes, c'était pareil. Et puis au final, tu regardes que c'est les deux équipes qui vont en finale. Je me rappelle contre les Russes, c'était la place rouge de Moscou. Et là, on a eu le mur de Berlin, là, ce soir. Je Mais pense qu'ils avaient les adapté. Russes, pour moi, c'est différent parce qu'ils ont vraiment un style de jeu à eux, tu vois. Après, peu importe que ce soit joli ou pas, c'est pas important, mais ça fonctionne. Les quatre de derrière, ça, c'est vraiment un vrai mur, ça. Et devant, bon bah, un bon ailier et un bon BU, hein. Enfin, un BU qui joue bien de la tête. Très bien. Bon, bah, on va faire refermer ce chapitre équipe de France puisqu'on a un programme très 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 chargé. Messieurs, Mika, Anna, je vous libère, sauf si vous voulez rester pour la suite. C'est comme vous voulez. Non, non, moi je reste, je vais voir le saladier. on va passer au deuxième thème. Le temps que je bidouille les images. Le deuxième thème, tech. Alors, on entend déjà les préparatifs. Non, c'est Neparevo qui est tombé dessus la chaise. J'ai un problème avec les images là. Deuxième thème. Ah, voilà. Donc le deuxième thème, comme vous pouvez le voir dans la rivière, on va parler du barrage de Ligue 1, Ligue 2 et de la Supercoupe. Et avec nous, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de GM dans le chat. Je vais tout de suite passer sur Discord pour voir la liste. Donc nous avons le GM de Brisbane Beach, sauf nous avons le GM de Independent Squad. N'hésitez pas à dire ouais, salut, hein, entre-temps. Le GM d'Independent Squad Elle est où la BN. sonnette? On a Tidus pour la Orcs. On a Malte pour la Peste. On a Tweets aussi, Bonsoir. Tweets pour NSN, j'avais pas vu, j'avais zappé. Bonsoir. Et on a Will de Talamode. Alors si Skyman est là, si tu m'entends, vérifie bien que les gens ont les rôles pour parler, s'il te plaît. Ouais, je suis là, les gens ont le rôle. Over, terminé. Donc, je retrouve ma petite image, c'est fait. Et ben on va faire le même principe que la semaine dernière, on va vous poser quelques petites questions par rapport à ce barrage, hein, cette opportunité ou pas de monter en Ligue 1. Donc moi ce que je voulais savoir tout simplement c'est comment vous vous préparez en fait avant cette échéance, quelle est la consigne, là, quelle est votre préparation avant cette journée importante du 31 janvier. Donc on va commencer dans l'ordre du Discord, je pense, hein, pour pas qu'il y ait de cacophonie. Donc si sauf t'es là, tu peux répondre en premier. Je t'en prie. On t'entend. Pour l'instant, on t'entend. Bon, comment pas. Je crois que vous nous connaissez, on n'est pas à fond. Nous, on est en compétition sans être des super gros compétiteurs.
Nos sessions se résument à un match par semaine quasiment, et on n'arrive même pas à jouer à 11 en dehors des matchs de compétition. Alors, comme on a préparé ça, c'est de la théorie. La théorie, on s'est retrouvé, on a théorisé les qui vont arriver et zéro préparation. On arrive comme ça en caleçon sur le terrain. On a intérêt à avoir appris nos leçons, et puis voilà, on va se débrouiller comme ça. Très bien. Donc, même question pour. Ça Alors, mérite si d'être vous caché et avez envie de efficace. rigoler, vous Ah avez oui, le droit. Hein. Si vous voulez rire, lâchez-vous. pas du tout. C'est juste que je prends ma liste pour regarder l'interlocuteur suivant. C'est Ben d'Independent Squad. Pareil, même question. Votre préparation. Ouais, bonsoir tout le monde. Eh bien, bah nous, c'est différent, c'est l'extrême opposé. On essaie de bien bien se préparer. Étant donné que le match se déroulera, enfin les matchs se dérouleront fin de semaine, bah, on a toute la semaine pour se préparer. Pour finir les petits réglages. Et bah voilà, on espère que ce soir-là, on sera dans un bon soir et que le jeu sera avec nous. C'est toujours bien d'avoir le jeu avec soi, tu as bien raison. Ouais, bien sûr. Orcs, c'est Tidus, tu as la parole. Ouais, salut tout le monde. Salut, salut. Bah écoute, de notre côté, on a eu un mercato agité, donc on a surtout mis l'accent là-dessus. Et puis on fera le qui était prévu pour nous dès la fin du championnat, hein, comme il se doit, en essayant d'aller gagner comme chaque match, de toute façon que ce soit des matchs de compétition ou pas, je pense que personne n'allume la console pour perdre. Donc on fera du mieux possible pour aller chercher les victoires là où elles seront à prendre. Très bien, et on va finir par enfin, ce petit premier tour d'introduction avec Will de Talamode. Vas-y, tu peux parler. On m'entend. On t'entend, mais On assez a faiblement, j'ai quatre. l'impression. Oui, vas-y, vas-y, c'est bon là. Tu peux y aller. Je disais, on a quatre nouvelles recrues, donc on essaye de les intégrer tranquillement. On doit être titulaire pour pas comme ça montrer. Non, est-ce que c'est moi ou tout le monde l'entend bugger? Non, il y a des problèmes de connexion. D'accord. D'accord. Donc oui, tu feras gaffe, t'as des problèmes, je pense que c'est au niveau de la connexion surtout. Oui, bah, je suis en Wi-Fi, c'est et je suis en session. Est-ce que t'as moyen de régler ça ou pas? Faut sortir du match. Point rouge. Sinon, on passe au GM après. Ah bah le GM d'après, il Ouais, n'y en a c'est pas. bon. J'ai coupé la plaie, normalement ça devrait être mieux. Oui. Ah ouais, t'es violent comme ça, toi. Ah oh là là là. C'est pas quitter le match, hein. C'est L'émission avant carrément. tout. L'émission Là, j'ai avant tout. débranché la prise et c'est bon. Ah, ça va gagner 4-0. Non. Bah non, vous me donnez un temps de parole. Donc, non, voilà, on a quatre nouveaux qui sont arrivés bah, à la fin de la saison 1. Et puis, on essaye de les intégrer au mieux parce qu'il y en a deux, des très bons joueurs et qui vont probablement faire tout son postulaire. Donc, on met en place les combinaisons avec eux, histoire que tout le monde s'intègre et tout le monde s'entende. Voilà, donc pas de préparation à rage, mais pour la saison. Soit en saison 2 ou en saison 1, on jouera de la même façon, avec la même. Très bien. Est-ce que mes collègues admins ont des questions par rapport à ce barrage? Bah moi oui j'en ai. Allez, vas-y. Pour le manager de Grussenbeek bien sûr. Alors déjà c'est vous avez un schéma un peu différent de tous les autres. Par le peu de sessions, le peu de compétitivité au final, on a l'impression. Est-ce que vous n'avez pas peur que sur le long terme ce championnat soit un peu compliqué pour vous? Bah déjà, je vais pas te mentir, on se voyait déjà en Ligue 2, avant même le début de la saison, hein, parce qu'on avait perdu des joueurs. Mais ça, c'est notre base, hein. On est des joueurs en compétition, dont la moyenne est probablement l'une des plus faibles du championnat VPA. Même des équipes de Ligue 3, notre écrasion était plus forte que nous. Excuse-moi, j'ai des vapeurs d'alcool qui remontent là. Et bref, on est faible, on n'est pas fort, mais j'apprends à mes gars de ne pas baisser les bras. Et vous comptez recruter? On a trois joueurs qui sont arrivés, enfin trois anciens, trois retours, chercher parce qu'on ne drague personne.
recrute un joueur, c'est vraiment un profil particulier. C'est un profil de joueur novice à chaque fois pour on va dire, le formater. D'accord. On le tient éloigné de ce qui se fait essentiellement en compétition, notamment le fameux 4-3-3. Alors, j'ai rien contre ça. 4-3-3, c'est une bonne formation pour des joueurs de qualité offensivement et défensivement. Ce n'est pas à notre portée. Je l'ai toujours dit à mes coéquipiers, je ne leur ai jamais menti. Ce n'est pas à notre portée. On doit trouver une autre solution avec nos faiblesses. On doit bosser, se débrouiller pour faire des sessions qui vont apporter quelque chose. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Nos entraînements à nous, nos sessions, c'est des sessions à 4-5 joueurs. Où à chaque fois, on travaille des petites séquences offensives, défensives. Et puis, ce n'est pas toujours les mêmes joueurs, hein, puisqu'on n'a pas les mêmes créneaux de jeu. On ne se retrouve jamais à 11 quasiment. Je crois que depuis 4 ans, notre moyenne supérieure, en dehors des matchs de compétition toujours, on n'a pas fait plus de 20 matchs à 11 quoi, par an, depuis 5 ans, c'est comme ça. Ah ouais, il n'y a pas de drame, hein. c'est notre limite. Hein. Bon, ouais, mais c'est dingue, en fait, d'arriver ouais. Du coup à ce niveau de... dans le championnat, ben, en fait, avec un fonctionnement. C'est... Nous, ça nous assure une chose. Ben, déjà, on a des règles de base qu'on doit observer. Ça nous permet d'intégrer un joueur, enfin des joueurs, avec ses limites, on l'accepte comme il est, et on se débrouille. On doit être inventif, j'ai envie de dire, créatif, pas dans le sens technique, mais au-delà de tout ce qui est administratif et tout, pour pouvoir continuer à vivre, quoi, survivre, pour vivre notre aventure. Après, la défaite, c'est pas un problème. On est nul à la base, on le sait. Et le point culminant, le moteur, c'est dire le mec, on prend notre courage, demain on y va, on va gagner, on va perdre tant qu'on se bat, c'est ce qui compte. On va se coucher, on va se relever, il faut se relever, c'est tout. J'ai envie de dire, c'est une philosophie de vie, c'est un truc que j'ai envie de transmettre à tous mes coéquipiers. Et c'est aussi pour ça que, contrairement à beaucoup, nous on recrute des jeunes qui ne sont pas faits pour la compétition. Mmh. Des mineurs, on accepte des joueurs qui ont 13 ans. Déjà, il y en a plein, si t'es pas majeur, tu joues pas. Ouais, c'est vrai. Voilà, tu vois. Avec le Saint-Bis, c'est essentiellement, en plus, il faut le savoir, composé de... Enfin, le gros de l'équipe sont des joueurs qui sont fait refouler, recaler, parce qu'ils n'avaient pas les qualités nécessaires pour intégrer une grosse équipe, même pour intégrer une équipe moyenne. Quoi. J'ai pris tous ces joueurs, je lui ai dit, écoutez, ben, les gars, on est ci, on est ça, on y va. On fera rien de bien, enfin, rien de super bien, mais ça sera bien par rapport à ce qu'on voit à la base, quoi. On fait ça ensemble. Il faut juste s'entendre dessus et si on est d'accord, on y va. Voilà, tout simplement. En tout cas, à Ligue 1, c'est déjà un bon niveau. Hein, donc, je vous souhaite bonne chance avec ce fonctionnement-là et j'attends de voir ce que ça va donner. Ah, merci. Moi, j'avoue. Merci. Ok, il y avait quelqu'un d'autre qui avait une question avant qu'on prenne la parole. Effectivement. J'ai pas une question ouais. Spécialement, enfin, je te coupe Glory, j'ai pas une question spécialement, mais je le trouve dur. J'aime. Comment il s'appelle ? Sauf avec son équipe, sauf, ouais. Ouais sauf, je te trouve vraiment dur parce que moi, personnellement, quand j'allais dedans, on vous a joué et je vous ai pas trouvé si dégueulasse que ça, comme j'ai tourné. Mais moi, par rapport au match que j'ai fait contre vous, je te trouve un peu dur quand même parce qu'il y avait quand même du potentiel. Vous avez attaqué, vous avez proposé des choses. Vous avez marqué même un but, donc là il y a quand même une qualité. Et arriver, c'est... comme l'a dit, arriver en Ligue 1, c'est quand même il faut des qualités. Tu peux pas dire que il n'y a aucune qualité, on est nul. C'est de la stratégie. Ouais, non, peut-être c'est la stratégie. Ah, attendez. Déjà dans notre fonctionnement, il n'y a pas, il y a, on est lié par une règle de base. Chez nous, vous la trouverez, c'est quasiment de prison. On ne libère pas un joueur pour qu'il aille jouer avec des autres clubs, comme vous ferez tous. Hein. Ce n'est pas un reproche. Hein. Ouais, quand il n'y a pas de session dans vos clubs, vos joueurs ils sont libres d'aller jouer avec des amis, par exemple. Oui. Ben, nous, ça n'existe pas. C'est la première règle, on n'autorise même pas ce truc-là. Après, il y a un objectif derrière, forcément. C'est parce qu'on va travailler à quelque chose, le collectif, j'ai envie de dire. On va camoufler nos carences individuelles en travaillant quelque chose de collectif. On apporte une réponse collective à des problèmes qui sont individuels, en fait. Et c'est cet ensemble-là qui fait que Grisse Sambit se retrouve en Ligue 2, qui peut atteindre le top Ligue 2, batailler pour la Ligue 1, peut
peut-être se maintenir en Ligue 1 cette saison, quoi. C'est parce qu'on travaille collectivement. On a vraiment, on développe ce truc-là, cette intelligence collective, quoi. Moi, j'apprends pas mes joueurs à faire des dribbles. J'apprends à penser, à réfléchir. Les dribbles, la qualité technique, ça viendra après. Moi, j'essaie. Leur approche collective du football. Ça, et ça, même un joueur nul peut apporter quelque chose en jouant qu'avec sa tête, quoi, je veux dire. Et c'est comme ça qu'on travaille. Et toutes les... oui, alors oui, tu me trouves un peu dur. Oui, après, moi, je suis bien placé pour dire que je ne le suis pas vraiment. Je suis plutôt juste. Mais nos carences, vous ne les verrez pas. Si vous avez une loupe pour regarder ce qu'on fait, vous vous rendrez compte d'erreurs techniques, mais vraiment basiques, quoi. Vraiment indignes de la Ligue 1, quoi. Vous verrez qu'on n'est même pas capable de jouer en une, deux touches de balle. Tu ne peux pas être en Ligue 1 si tu n'es pas capable de faire ça, au doublé de passe. On n'en est même pas là. Hein. Si vous regardez bien, il y en a, il y a quelques joueurs qui sont capables de le faire. Mais pas tous. À ces problèmes-là, on n'a pas tout simplement. Quand tu vises la qualification en Ligue 1. Je ne vais pas te mentir. Hein. Bah, pareil. Hein. En toute honnêteté, en toute objectivité. Et c'est une question pour tout le monde, hein, pour tous les GM ici présents. Ouais. Voilà, vous appréhendez ça comment ? Est-ce que vous donnez tout pour monter en Ligue 1 ou rester en Ligue 1 ? Vous voulez, la majorité de l'équipe aurait préféré être en Ligue 2, moi y compris. Bon, par contre, on a l'opportunité de se maintenir en Ligue 1. Même si on préfère la Ligue 2, il faut la jouer. C'est l'esprit sportif. Il est hors de question de faire exprès de perdre. Ça, c'est de la lâcheté. On n'a pas le droit de faire ça. C'est une leçon de courage que j'essaie de leur donner. Ça fait du courage. On se maintient de courage. C'est ça. On doit garder cette ligne de conduite. Mais après, c'est pas pour autant qu'on sait pas. Ça fait pas partie de notre capacité. Donc voilà, on va jouer le maintien. On va essayer de gratter. On va essayer de profiter de cette opportunité, mais voilà, après, c'est du bonus, quoi, j'ai envie de dire. D'accord. Une question ? Surtout Tidus, parce qu'il n'était pas très chaud pour jouer le barrage, je m'en rappelle fin de saison. Tu l'apprends comment, le barrage ? Est-ce que tu te donnes au maximum ? Ou est-ce que tu es toujours sur la même idée de je vais le jouer, mais sans plus ? Sur un avis par personne, toujours sur la même idée. De le jouer, mais sans plus. Après, j'ai eu quelques changements aussi dans l'équipe, tout ça, et j'ai une majorité de l'équipe qui a vraiment envie de se maintenir. Donc, par respect pour eux et pour ce qu'ils veulent faire, je le jouerai à fond et je leur permets à eux de le jouer à fond. Après, c'est clairement pas pour moi quelque chose de tenir en division 1. D'accord. Et les autres GM, vous pouvez parler à ces questions. Bah, nous perso on vise la Ligue 1. On vise la Ligue 1 et si on n'arrive pas à se qualifier, ce sera un échec. Ce sera un échec. Ouais, carrément un échec. On a fait un beau parcours en Ligue 1. On a dominé un moment, puis en troisième, puis on était en bataille avec d'autres clubs. Au final, malheureusement, on n'a pas réussi à gagner les matchs qu'il fallait gagner à la fin. On s'est un petit peu vautré, on a eu des joueurs pas dispo quand il fallait, puis on se retrouve à cette quatrième position. Et maintenant, on a la chance de pouvoir encore monter, on va se donner à fond. Donc clairement, c'est objectif Ligue 1. D'accord. Après, moi je reviens sur ce qu'il a dit, Sof. Je trouve pas ça lâche d'aller en Ligue 2 pour progresser et revenir meilleur. Ça, je trouve que, personnellement, je trouve que c'est la bonne mentalité à avoir. Quand tu vois que tu es moins bon sur un championnat, quitte à redescendre pour travailler et revenir plus fort, faut pas hésiter. Non, après, tu peux faire le plein de confiance. Titre, hein. Perso. Je parle à titre perso. Donc voilà. Juste ouais, mais c'est, alors, tu vois, sinon, ça peut être à double tranchant, hein, cette histoire de, comme tu dis, de revenir, aller en Ligue 2 pour revenir plus fort. Parce que rappelle-toi le discours qu'on a eu la semaine dernière où on trouvait que le niveau des ligues commençait vraiment à se ressembler. Le risque est de dire je vais en Ligue 2 pour essayer de me réconforter et de remonter le plus vite possible en Ligue 1. Et le piège, il peut être de tomber dans le ventre mou, quitte à être dans le bas de tableau de la Ligue 2, parce que le niveau de la Ligue
Et quand même, pour moi, c'est sacrément élevé quand même. Hein. Donc, ça peut être un sacré piège quand même, hein, je trouve. Moi, je suis d'accord avec toi, mais ça reste quand même la Ligue 2. Ça reste quand même la Ligue. Mais dans l'optique, ouais, je suis d'accord avec toi. Franchement, ouais, c'est vrai. Donc, moi, juste, je vous souhaite bonne chance à tous. Même si j'étais préférence, hein, on va pas se la cacher. Mais je vous souhaite bonne chance à tous et que le meilleur gagne. Que ce soit le barrage de Ligue 2, que les meilleurs l'emportent. Merci. En tout cas, nous, on va saisir notre chance. Hein. Ouais, merci. Alors, est-ce qu'on m'entend là ? Alors, Marco, je sais pas si tu m'autorises à lancer, lancer quelque chose, mais bon, ma mission a été de fouiner un peu tous les quatre clubs qui étaient lors du barrage au niveau du mercato, leur style de jeu, tout ça. Donc, on va dire que ça a été un beau petit travail. De voir, alors, même au vu des discours, ça a vraiment coïncidé avec ce que moi j'avais trouvé. Le recrutement, bon, c'était un no man's land où on y voyait, on trouvait rien sur n'importe quel site, que ce soit Twitter, Facebook, sur le site FVPA, je voyais rien. Je trouve, FC était à la mode, j'avais vu les 4 joueurs de Globy. Et là, par contre, je suis tombé sur les deux autres clubs, qui sont Independent et la Orcs, où là, ça a été des annonces dans tous les sens, au niveau des départs, au niveau des arrivées. Comment, moi c'est surtout pour pour Ben et Tidus, au vu des départs et surtout au vu du nombre d'arrivées, hein, parce que par exemple, pour, alors je pense que j'en oublie encore, mais Tidus, il y a, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'ai 9 arrivées pour à peu près 6. Comment tu te dis, je vais jouer un match de barrage pour la Ligue 1 avec une équipe qui ça fait pas si longtemps qu'elles jouent ensemble, donc les automatistes sont... est-ce qu'il y a certains qui t'attendaient vraiment pas à ce qu'ils partent, hein, pareil pour Ben, et les joueurs où tu t'es dit, tu t'attendais pas non plus aussi à ce qui tu arrives à les faire venir chez vous directement. Je commence du coup, parce que il y a une grosse situation. Ça bug. Attends, alors peut-être mieux là, non ? Ça bug. Ouais, c'est bon. Il est encore en match aussi. Non, du tout, mais j'étais en train de charger un truc, c'est peut-être pour ça. Effectivement, donc nous on a fait une saison de merde l'année dernière, faut pas se le cacher, moi j'ai pas peur de dire les choses telles qu'elles sont. J'ai eu l'occasion aussi d'en discuter avec la SOS, de faire le point avec différentes choses. Et quand t'estimes qu'à un moment donné, l'équipe, même si j'ai ma part de responsabilité dans le manque de résultats, mais que l'équipe ne correspond pas à ce que tu veux faire et ne pourra jamais aller là où tu veux aller de toute façon, que ce soit dans n'importe quelle ligue ou n'importe ça sert à rien de forcer, en fait. C'est que chacun ne trouve pas son bonheur dans cette équipe. À partir de là, effectivement, il y a des gens qui sont partis, il y a des gens qu'on a libérés. Alors après, moi, je suis pas du tout pour dire j'ai viré un tel ou un tel est parti. Il y a des gens qui sont partis du club, point. Et à partir de là, il y a eu l'opportunité d'un retour de N'Golo Kanté, que tout le monde connaît, je pense, hein, qui avait commencé la compétition sérieusement chez nous il y a quelques années. Donc à partir de là, ça a enchaîné différents recrutements, puisque les GM le savent, je lui ai laissé toute sa place pour faire l'équipe qu'il avait envie de faire, pour jouer avec la compo qu'il avait envie, pour faire vraiment ce qu'il avait envie. Parce que je pense que l'expérience, maintenant, il l'a acquise, puisqu'il est quand même parti de chez moi en étant co-GM. Il a fini GM chez les champions la saison dernière, et qui ont gagné plus qu'un titre. Donc ouais, 9 recrues, et encore, je pense que t'as oublié les 3 que je viens de valider à l'instant, c'est pour ça que ça a bugué. Beaucoup de recrues, une nouvelle équipe, un nouveau fonctionnement, voilà, tout autre, vu et travaillé en arrière-plan avec des membres de l'association. C'est pour ça que je dis que pour moi, l'objectif n'est pas forcément d'être maintenu en Division 1, parce que justement, ce groupe est jeune. Si je peux compter très très rapidement, j'ai trois joueurs, qui finissent la saison l'année dernière et qui sont encore là. Donc, on a beaucoup de travail qu'on a commencé à faire. Alors, ça... On a vu aussi qu'il restait encore beaucoup de chemin à accomplir. Mais voilà, et ces joueurs-là ont envie de rester en Division 1, ont envie de se battre, donc je vais pas leur casser leur délire. Au contraire, s'ils me montrent et s'ils nous montrent avec
avec Quentin justement qu'on peut aller en division 1 et faire quelque chose avec plaisir. Maintenant, moi, je vois plus sur le long terme. Hein, ça fait pas 6 mois qu'on est là. Donc, descendre en division 2, comme l'a dit Sino, pour moi, ça me dérange pas. Je l'avais dit en fin de saison, peut-être mal interprété, mais je l'avais bien écrit. Descendre en division 2 pour reconstruire et remonter avec une équipe plus forte et prête. Je pense que c'est un meilleur objectif maintenant. Comme tu as dit, de nouvelles recrues, mais je pense que ça peut le faire en vue des recrutements. Mais comment tu as réussi à vendre ça? Moi, c'est ça surtout qui m'intéresse, c'est de vendre ce discours aux recrues que tu as eu en leur disant bah, on joue le barrage pour le maintien de la Ligue 1, mais c'est pas notre objectif. Si on va dire, pour moi, je le prends comme ça, mais on pourrait aller en Ligue 2 pour mieux rebondir, ce serait mieux. Comment tu arrives à vendre ça à des mecs qui se disent mais je vais peut-être jouer dans un club qui peut jouer la Ligue 1, tu vois? En fait, c'est comme chaque, je pense, équipe, tu as des objectifs, tu participes pas à un seul championnat, donc tu fais pas que la Ligue 1 MVPA, tu fais la CPL entre autres, tu fais d'autres championnats ou d'autres compétitions, et il y en a qui sont prioritaires par rapport à d'autres. Aujourd'hui, je préfère mettre une priorité sur la CPL que sur la division 1, où l'un dans l'autre, tu peux être amené à monter, à descendre, et puis tu peux quand même faire un super parcours en CPL, que tu sois en division 2, en division 3, en division 1. Donc, à partir de là, je sais pas si c'est mon point de vue personnel. Hein. Après, je sais que 90% de l'équipe préfère rester en division 1 parce que pour eux, c'est plus important. Ils ont moins cette vision un petit peu externe. Mais moi, je préfère mettre des objectifs sur des compétitions comme la CPL ou sur d'autres sites qui pour donc moi sont. Le tirage au sort pour toi est très important. Ah, bah oui, clairement. J'attends le tirage au sort hein, qui pour moi est important. Après, ces joueurs-là rejoignent pas à l'image un petit peu de ce qu'a dit Sof tout à l'heure et que je partage tout à fait. Quand tu rejoins une équipe, logiquement, tu rejoins pas uniquement que pour la division. Si tu fais ça, tu restes pas longtemps. Je pense que on n'a pas recruté avec Quentin et on le sait, on se le dit. On n'a pas recruté l'équipe de NSN avec un gros niveau ou des joueurs de ce niveau-là. Maintenant, on a recruté des joueurs qui ont un profil et qui ont un type de jeu, qui ont un niveau de jeu. C'est ce profil-là surtout qu'on a cherché pour voir sur du long terme. Et pas forcément se dire si on est en division 1, c'est bien, si on est en division 2, je me barre. C'était pas l'idée. Donc à partir de là, ben, quand tu recrutes dans ce genre de joueurs, tu sais que l'objectif en lui-même n'est pas la division 1 puisque les joueurs ne rejoignent pas pour ça. Donc après, à eux-mêmes de me mentir ou de me montrer que leurs envies restent les mêmes. Ce que je vous propose sur ces belles paroles... c'est qu'on passe à la Super Coupe aussi, puisqu'on a invité des GM de la Super Coupe. Il y a Maltais pour la Peste, il y a Tweets pour la NSN, que j'aimerais bien les entendre aussi, et qu'on reste pas non plus jusqu'à 3h du matin. Je pense que tout le monde attend le tirage aussi, donc on va se faire ça rapido, sans 2-3 mots pour la Super Coupe. Voilà. Votre sentiment sur ce premier trophée officiel de la saison, hein, car c'est le cas. Hein. Est-ce que vous avez comme objectif de la gagner à tout prix ou alors on la joue puis on verra, c'est un objectif annexe, dites-nous tout. On va commencer par Twitch, je pense. Je vais d'abord laisser parler Maltais, parce que il joue un match avant nous, donc c'est vrai. Oui, c'est ça. On joue un match effectivement, nous on n'est pas encore en finale de la Super Coupe déjà. Puisqu'on a un match qui est compliqué contre une équipe qui nous réussit très très mal surtout. Donc déjà il faut gagner ce match-là et puis ce premier trophée, si on peut le gagner, tant mieux. Après clairement, c'est pas non plus un objectif prioritaire. Nous l'objectif ça va être surtout de confirmer ce qu'on a fait sur la première saison. Puisque on a quand même été largement deuxième en Ligue 1. On a été dans le dernier carré en CPL, en KPL. Donc maintenant, le but, c'est de confirmer ça. Donc on est en train de travailler pour avoir un style de jeu un peu plus propre, puisque on a quand même quelques carences là-dessus. Et puis après, on verra. Mais bon, ce n'est pas un objectif archi-prioritaire de remporter la Super Coupe, même si évidemment, je mentirais si je disais que j'en ai rien à faire. Voilà. Après, il y a un petit derby dans le derby entre vous et Restart, parce que
au niveau du mercato, vous avez recruté leur meilleur buteur, qui était l'ESCA, qui est arrivé chez vous. Ouais, tout à fait. Ben, c'est sûr que c'est des matchs. Moi, j'appuie toujours là-dessus quand j'ai des joueurs comme ça qui ont joué dans une autre équipe, qui viennent juste d'arriver. J'appuie toujours là-dessus aussi en expliquant à mes gars que forcément, pour ce nouveau qui vient d'arriver, ce serait quand même bien de ne pas perdre ce match. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est que la restart, comme je disais tout à l'heure, on a des carences. Et en général, contre la restart, ces carences-là, on les voit. Et c'est une équipe vraiment contre qui on a beaucoup de mal, qui nous a éliminés en coupe, si je me souviens bien, sur la première saison. Et qui, bien entendu, à chaque fois qu'on les joue, arrive à nous battre. Donc, je crois que c'est une des rares équipes sur la dernière saison, avec la NSN, bien sûr, où on a un ratio qui est plutôt négatif. Donc bon, c'est pour ça qu'on arrive avec pas mal d'humilité sur ce match-là, parce qu'évidemment, on sait très bien qu'il est loin d'être gagné et que si on veut jouer la NSN, il va falloir laisser le chercher, ce match-là. Tweet, tu as la parole. Profites-en. Moi, j'ai pas grand-chose à dire, à part que voilà, j'ai recruté un groupe, j'ai recruté 5 joueurs qui ont vraiment le niveau d'aller chercher... vraiment sans humilité tous les titres possibles. Et on va continuer sur la continuité de la saison. Ça veut dire tout gagner, entre guillemets. Tout ce qu'on veut, c'est tout gagner, nous, de toute façon. Je vais pas vous dire qu'on cherche à aller chercher la deuxième place dans quelque chose. On veut vraiment tous les titres cette saison. On va continuer à travailler comme on le fait maintenant, en espérant gagner tout. Sinon, voilà, par rapport à la Super Coupe, je sais que la restart et Pest nous posent des problèmes à chaque match. Il n'y en a pas beaucoup cette année qui nous ont bousculés. Et ces deux équipes-là, je m'en méfie vraiment. Et j'ai pas autre chose à rajouter. Ok, bon bah merci beaucoup d'être venu. En tout cas, on va passer tout de suite au tirage de la CPL. Donc... je vous souhaite à tous bonne chance pour vos barrages. Bonne chance à la Orcs, à Independent Squad, à Talamo et à Wilson Beach dans ce barrage. Que le meilleur gagne et pas de. Que ceux qui descendent ne soient pas tristes. Hein. La Ligue 2, c'est quand même un beau championnat aussi, c'est très relevé. Et bonne chance aussi aux trois équipes qui vont jouer la Super Coupe, Pest, Restart et le vainqueur affrontera NSN. Bonne chance à tous, hein. Préparez-vous bien. Et puis que le terrain parle, voilà. Merci à tous d'être venus. Et nous, on va passer directement au studio hollywoodien de Ici les Moulineaux. Non, je déconne. Le dispositif. On va dire des conneries, on va tester. Et puis on le dispositif hollywoodien ou ouzbek, c'est à vous de voir dans quelques minutes. Je pense que tout le monde. Anna attend depuis 2 ans. Ah ouais, c'est ça. Il a raison. Il veut voir les boules. J'espère que t'as les mêmes boules, ça va me rappeler des souvenirs. Ah ouais, mais c'est les mêmes. Alors, est-ce que t'es sur Skype? Alors, je vous explique comment on va faire. Hein. C'est que. Il l'a sorti, ça sonnette, putain. C'est la CPL qui toque? Oui. C'est la CPL qui toque. Alors, je vous explique comment on va faire. C'est que moi et Kédon, on va se faire un petit cam to cam. Alors, oui. Ouais. Très sage, hein. C'est juste que je vais prendre en fait la capture d'écran de son partage d'écran, du coup. Donc je lance Skype. En fait, c'est même pire que à la fois sur Skype et sur Discord. Skype avec le truc, mais j'ai envoyé Marco. Donc. Moi, j'ai peur que ça bug, hein, je vous le cache pas. J'ai très très peur, je lance Skype tout de suite. C'est le moment de mettre une musique d'ascenseur là, très clairement. Ouais. J'espère surtout. Il est pas. Tu peux m'appeler. Tu m'entends? Tu peux m'appeler sur Skype. C'est ce que je fais. Alors attends. Hop. Non, on a essayé tout à l'heure, ça marchait. Là, ça marche pas. Skype. Vas-y, rappelle pour voir. Oh là 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 là, déconne pas. On va bider devant 76 spectateurs, ça va être génial. Ouais, ça bug. Non,
Prochaine émission, Marco, il faudrait essayer un autre moyen pour le, la conve de Balfa Discord. Bon, bah c'est bon, vous le voyez là en live le tweet, non? Confirmez-moi. Il n'y a pas de retour sur le... Ah, ça y est, on vous voit. On voit l'aquarium. Alors, je vais juste bouger, Ouais, c'est bon, je vais juste bouger les noms. Il va y avoir de la latence. Tout est rangé, tout est propre. Ah ouais, j'ai fait ça. C'est pas comme tout à l'heure. Mais non, où sont les valises tout à l'heure? Où sont la valise rose? Alors, juste pour préciser, au départ, je voulais faire le tirage en commençant. Ouais, donc il y a quand même 10 secondes de lag. Le tirage en commençant par les équipes, on va dire, tête de série, c'est-à-dire ceux qui ont fait le Final Four et puis ceux qui étaient l'an dernier en Ligue 1. Et en fait, je me suis dit, pour garder le suspense, on va commencer par l'inverse. C'est-à-dire que là, j'ai 12 équipes qui sont entre L3 et L4 et d'autres qui sont inscrits, qui ne participent pas aux compétitions régulières. Donc, il y a Catenaccio, Purisport, pour ne citer que. Et donc, je pense qu'on va procéder comme ça. Enfin, à mon avis, sera truc plus intéressant. Il y a aussi Sam Crow et Moss Wanted dedans. Ils sont pas tête de série, hein, au cas où. Donc, voilà. Si tu peux juste rappeler, on sépare bien en trois groupes. Hein. Il y a Ligue 3, Ligue 4 et ceux qui n'ont pas participé l'an dernier, etc. Ensuite, il y aura 6 clubs de Ligue 2. Et ensuite, il y aura ce qu'on pourrait appeler les têtes de série, les gros clubs entre championnat et la CPL de l'an dernier. Donc, je pense que ça peut donner un truc assez sympa. Donc, on va entendre du bruit et je pense que l'image risque d'être un peu longue, mais je ne vais pas faire trop de bruit parce que j'ai les enfants bien en dessous. Donc, tac, on va essayer de faire ça bien. Donc, le premier dans le groupe A, bah boum, Most Wanted. On a fait des petites vignettes, des petits machins là. Donc, groupe A, Most Wanted. Donc, groupe A, premier club, Most Wanted. Putain, ça va faire un bordel de monde. Hop, groupe B. Alors, attends, parce que là, ça a figé. Montre bien. On a un gros décalage au niveau de la vidéo. Montre bien à l'écran de l'étiquette. C'est clair. C'est Spartak Red Bloods, hein, si j'ai bien lu. Ouais, Spartak B, Spartak Red Bloods. J'essaye de rester devant, de toute façon, même avec le décalage d'image. Et groupe C, premier club, Reborn. Reborn Diming, groupe C. Tac. Ah, il y a vraiment un décalage. Mais vive la Tchétchénie. Bon, ça, c'est pas un temps problème, c'est faut que ça reste fluide, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, ensuite, deuxième club du groupe A. Genius Jaguar. Genius Jaguar en A2. Tac. Hop là, je précise, hein, je ferme les yeux. B2, donc Purisport. Purisport dans le groupe B. Voilà. Ne vous inquiétez pas, on essaie de faire une image récap hein, si vous êtes perdu. Il y aura une image récap à la fin normalement. Et groupe C2, Wanted les experts. Wanted les experts. Bon, C2. Il arrive à suivre le Sky ou pas? Il charbonne. Hein. Bon, ouais. Hop, j'arrête d'en mieux, ça fait trop de bordel. Et donc, en A3, donc c'est Never Back Never Down. Never Back Down, NBD. Hop, on va prendre celle-là. En B3, Vato 6 Sport. Très bien. Hop là. En C3, TNT Tieu. Alors attends, parce que là du coup l'image s'est refigée. On va attendre un petit peu. Donc de toute façon tu notes.
En fait, elle s'est pas figée, c'est le... C'est la coupe. Ensuite, ouais. Ensuite, donc, c'est... Ah bah attends, l'appel a coupé. Faut que... Ah ouais, l'appel a coupé. Ok. Bon, je le relance, de toute façon. Je vais changer de wifi sur le truc. C'est galère. Connexion du bled. Donc, au cas où... Ah bah, c'est même, le... même au bled, il y a une meilleure connexion, je pense. Donc... Tu pédales dans le garage ou quoi, Kélo ? Commence pas à dire des conneries, toi. Non, c'est... j'ai les élèves, là, je vais leur mettre un coup de fouet. T'attaques, attends, je cherche Mako. Donc, là, de toute façon, au niveau du tirage... Non, mais c'est bon, je suis sur la bonne, mon wifi. J'ai piqué celui du voisin. Tac. Donc, pour l'instant, on peut répéter. Non, ça ne marche pas, j'ai été exclu de l'appel. Carrément, putain. Votre connexion est faible, putain. Et surtout les gars, n'allez pas chez Bouygues, hein. C'est vraiment des enculés. Donc, bon bah, juste pour dire, le tirage suivant, malheureusement, là on est sur... Enfin, malheureusement. La boule que je viens de tirer juste avant, c'était FC Catenaccio pour le groupe A en 4e place, si je dis pas de bêtises. On réessaye quand même, quoi. Aussi, on réessaye, hein. Sinon, après, sinon, on peut finir en vocal, c'est pas grave. Ah, sinon, ça sera du vocal, hein. Tac. Exclu de l'appel encore ? Ouais, ouais, c'est bon. Donc, Catenaccio en A4. Juste pour dire que c'est encore au tirage. Tac. On a ensuite Neoxysport en B4. Donc Neox en B4. Et en C4, voilà. Sam Crow. Voilà. Donc voilà pour les anciens, enfin les clubs. Hop. Je vais mettre juste les dernières dans le truc. Histoire... Tac, tac. Ouais, parce que pour info, j'ai deux saladiers qui étaient prêts, hein, sur trois. Tac, tac. Donc moi, je continue d'enregistrer, de toute façon. Si jamais il y a des contestations, au moins, il y a la vidéo. Alors, attends deux secondes avant de reprendre. Je rafraîchis mon appel Discord. Ouais. Les gens... Voilà. Des fois, ça arrive, des fois, ça marche, des fois, ça marche pas, et puis c'est comme ça, hein. Là, je pense qu'on entend bien, bien fort comme il faut. Tu peux y aller. Donc, pour l'info, il y aura 27 clubs au total. En fait, ça tombe un peu pile poil, même s'il va y avoir un exempt à chaque tour. Bah, ça fait 3 groupes de 9. Hein. Donc, au moins, comme ça, c'est assez facile. Donc, on... de Ligue 2. Donc, dans le groupe A, en Ligue 2, on va retrouver Alerion Legacy. Donc en A5, si je dis pas de bêtises. Ensuite, en B5, on a Extensia. En C5, on a Independent Squad. Ensuite... Donc, en A6, on a No Name Boys. Donc, qui ont rejoint la même structure que Never Back Down. Donc, je sais même pas s'ils sont dans le même groupe. Et ensuite, donc, groupe B, on a Angel Wings. Tac. Et je te confirme qu'ils sont dans le même groupe. Et ils sont dans le même groupe, ouais. Donc, j'ai quand même une bonne mémoire à mon âge, hein. Et donc LDAS dans le groupe C en position 6. Et donc là, on en arrive aux têtes de série. Paf, voilà.
Alors déjà, est-ce que avant de passer au truc, ouais, tu peux faire t'as le récapitulatif par le groupe? Peut-être tu les as posés côte à côte les trucs ou pas? Ah non, j'ai aucun récap, moi c'est... Yeah. Je pensais que j'avais une secrétaire derrière. Personne a noté. Moi j'ai un récap. Si, moi j'ai un récap de tout. Allez, vas-y, on va t'écouter royalement. Alors, donc groupe A, on est avec donc Most Wanted, Genius Jaguar et Never Back Down sur le premier tirage, avec un compagnie de FC Catenaccio. Sur le deuxième tirage, toujours dans le groupe A, on a Alerion et No Name Boys qui ont rejoint ce groupe. Mm-hmm. Le groupe B a commencé donc par le Spartak Red Blues, suivi par Pure Esport, ainsi que Vatos Esport et Neox Esport. Et sur le second tirage, Extensia et Angel Wink qui ont rejoint le groupe B. Et le groupe C, qui a commencé par Reborn Gaming, suivi par Wanted, les experts TNT Thieu et Sam Crow. Et sur le second tirage, toujours dans le groupe C, suivi par Independent Squad et Lyon La Duchère. Très bien. Bon, on peut enchaîner. Eh ben, go. Donc. Hop. Eh ben, dans le premier groupe, on a Family Team. Donc, dans le groupe A. Dans le groupe B. Hop. On a Mafia Mia. Hop. Dans le groupe C, on a PWNSN. Ensuite, retour A. Eh ben, on a Vegasi. Donc, Hurricane de son ancien nom. Horizon sur VPG de son ancien nom. Ensuite, dans le groupe B, si je dis pas de bêtises, ben on se retrouve avec Under. Ouais, c'est ça. Si mes calculs sont bons, c'est ça. Ensuite, donc, dans le groupe C, on a Bestou. Ça commence à faire des groupes sympas. Il reste combien de boules à tirer ? Trois. Les trois derniers. Les trois ABC. Derniers. Dans le groupe A, Alliance eSport. Dans le groupe B, ça va être Peste Scapulaire. Groupe B, groupe C. Enfin, je crois que tous les groupes, de toute façon, ils vont être. Il y a de la fiche bien là, chaud patate. Hein, si j'ai bien. Ouais. Et OrgsGP dans le groupe C. Ok. Attends, là je prie pour que Skyman ait fait l'affiche entre temps. Il est mute en plus. S'il te plaît, sors-moi de ce marasme. Ouais, il a essayé de pondre l'image en simultané pour que tout le monde ait un petit visuel. Ouais. Re. Oui. Ah. Donc, Maître Capello. Il était parti pisser, c'est comme ça le tirage. Excusez-moi, c'est quoi le tirage? J'étais aux toilettes. Est-ce que tu as l'image? L'image arrive. Je l'attends. Il faut savoir que le petit problème. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Déconne pas. L'image est arrivée. Mais bon. Elle est arrivée. Ah. L'image est arrivée. Mazel tov. Belle image de Mister Skyman. Merci beaucoup. Alors attendez, il faut que je la DL. Enregistrer l'image sous. Tout à fait. Hop. Enregistrer l'image sous, ça c'est fait. Donc maintenant je mets l'image à l'écran dans une petite dizaine de secondes. Ah ouais, le truc c'est. Je crois qu'en fait, de toute façon, on va être honnête, tous les groupes. Ouais, tous les groupes. Tous ouais. Les groupes, ça va être voilà. Bien disputé. Vous avez à l'écran, mesdames et messieurs, l'image. C'est une image assez simple, hein. Voilà, c'est juste pour résumer. Donc, je résume à l'oral. Groupe A, Most Wanted. Tu resize là. Oui. Bon, groupe A, Most Wanted. J'ai ah ouais, Jaguar. Oui, c'est bon, c'est le décalage, putain.
Groupe Most Wanted, Genus Jaguar, NBD Never Back Down, FC Catenaccio, Alerion Legacy, No Name Boys, Family Team, La Legacy et Alliance eSport. Groupe B, on aura le Spartak Red Bloods, Pure eSports, Vatos eSports, Neox eSports, Extensia, XI Angel Wings, Mafia Mila, Undercover, Peste Scapulaire. Et enfin, groupe C, Windborn Gaming, Wanted les Experts, TNT Tueux, Simcro, Independent Squad, LDAS, PWLSN, BS2 et Orcs. Donc ça fait des groupes assez sympatoches. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous pouvez donner vos commentaires. Ouais. On a un gros groupe. Ouais. Bah vas-y, Extensia, tiens. Groupe B, ça va donner ouais. Quoi groupe B, je dirais... quand même, on va dire, je pense que par rapport au groupe A et au groupe C, c'est, ça va être l'un des plus... pas plus facile, mais un groupe très ouvert, on va dire. Bah, si on est... Moi, je dirais, si on est logique, effectivement, de toute façon, alors, au niveau du nombre de qualifiés, pour l'instant, j'ai prévu plus ou moins le truc d'avoir 4 équipes de chaque groupe qualifiées. Donc, ça laisse quand même de la place pour les outsiders. De la place, ouais, c'est ce que c'est ce qu'on ouais, sent ouais. Cohérent. Après, pour ce qui... Juste pour ce qui est ouais. Man, est-ce que tu as préparé les filets? Parce que c'est juste une petite question, parce que je vois Extensia Neox, je peux te dire que t'as intérêt à bien préparer les filets. Ah oui, même pas fait gaffe, ouais. Dieu le gros serre les jambes. Il y a une petite surprise qui t'attend sinon, mais on n'en parle pas. Après, A et C, je vois bien le groupe C quand même, hein, je dirais le groupe de la mort. Hein. Ouais, le groupe C est c'est clairement le... Ouf. Le must, quoi. C'est vraiment ouais. Sam Crow qui est en Ligue 4, mais qui revient avec de gros joueurs. PW, Bestou. Et à la Orcs aussi, qui... Ouais. Vu le recrutement qu'ils ont fait, devrait être présent. Bah, il y a vraiment des équipes qui ont tous de l'expérience sur le championnat FVPA, qui connaissent quand même une partie des gens. Les GM entre eux se connaissent de toute façon. Donc, ouais, le groupe C, là, hein, il va y avoir de l'enjeu. Hein, parce que c'est sur les montées, on peut se retrouver, parce que Independent, je les ai mis Ligue 2, mais si ça se passe correctement pour eux, pour le truc, et Orcs pareil, ça retrouve quand même une majorité d'équipes de Ligue 1. Quoi. Et le groupe A Bon, le groupe A, ils vont son pesant de cacahuètes, hein, parce que tu vois les... Les mélangés, ouais. Ouais, mais t'as les équipes, par exemple, là, qu'on a vues, si je dis pas de bêtises, c'est des équipes qui étaient... quand elles ont participé au petit ladder qu'on a fait, faisaient partie des équipes du haut de tableau à chaque fois. Et les bonnes équipes, hein, Vegasi, ouais. Moswanti ouais. Qui revient, mais ouais, qui joue bien, la Family Team aussi, hein, toujours présent. Et après, il y a souvent des réguliers, Alliance. Tu l'as pas dit en tour, mais il y a aussi Bastou, ouais. Qui ont fini 3ème de la Ligue 1. Dans le C. Dans le C, ouais. Dans le C, ouais. Là, je parlais du A, ouais. Du A, ouais. Il est pas mal aussi, hein. On aime le, C, moi, le C, c'est pareil, ouais. Il y a NSM, Bestou, hein. Moi j'y suis. Independent qui monte, Samcro, pareil, Samcro. C'est un club qui vient de se former, mais on connaît les joueurs qui sont dedans. Les experts ça joue bien. Toujours présents, la Reborn qui est pareil, ouais, et Orcs, bon, ils descendent, mais ils sont en Ligue 1 quand même. Bah, ils oui, sont dans les games, ils sont en Ligue 1. Quoi. Moi, donc pour un joueur de Family Team, Marco, t'en penses quoi? Bon, ça va être un groupe assez costaud hein, quand même, hein, parce que. Most Wanted, on connaît, c'est une bonne team hein, qui joue bien, qui revient. Vegasi, bah, du coup, c'est Hurricane, hein, c'est ça, donc c'est costaud. Alliance, bah, je présente pas Alliance, hein, 4ème, je crois, de Ligue 1, donc ils sont très très réguliers. Ouais. Voilà, après, Alerion, c'est pareil, hein, Alerion, ils montent en Ligue 1, donc ils sont en pleine confiance. Ça va être des gros matchs, hein, franchement, c'est là où tu vas lire le tirage. C'est ce qu'on disait la semaine dernière, hein, t'as beau mettre des divisions Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3. Au final, les équipes se tiennent, hein, et ça va se jouer de ouf, quoi. C'est ça. Bon, après, on, voilà. on, va,
on va voir les certains clubs. Bon, là, tu vois, par TNT, tu on les connaît pas trop. Bah là, c'est eux, ils vont. Là, ils vont véritablement goûter à du gros niveau. On ne les connaît pas, donc on ne sait pas véritablement quel est leur niveau. Ils sont inscrits cette année. Donc, c'est à voir. Catenaccio, on le connaît, ils étaient là l'an dernier. Jaguar, donc c'était Jaguar X-Tour, ils sont passés sous Genius. Donc, on va voir. Normalement, ils sont dans la continuité de leur travail. Mais non, c'est vrai que là, on a quand même, à part une ou deux équipes, bon, Purisport, qui était quand même là l'an dernier, mais qui n'ont pas persévéré dans la ligue régulière. Voilà. SPTK Red Bloods, maintenant, qui commence à se faire connaître. Non, c'est... Ouais. Franchement, c'est... Ce serait bien qu'on fasse un petit tour de table avec les gemmes qui sont restés dans le channel. Ah, ceux qui sont là, ouais. Moi, j'ai juste une anecdote à dire. Si on regarde bien le groupe B, il y a trois équipes qui sont le Spartak, le Vatos et Neox qui ont joué le haut de tableau de la Ligue 3 lors de la saison. Donc, ouais. Ça va être une des retrouvailles. Et la Neox va jouer les barrages contre le Spartak pour une place en Ligue 2. Décidément, je t'aime par la main. T'as préparé les filets, toi aussi? Attends-toi, tu vas voir. Donc oui, Sitwitz, Tidus, Maltais, pareil, si vous avez des réactions par rapport au tirage, allez-y. Hein. Le premier qui lève la main ou qui dit eh, « c'est moi », vas-y. Ah, j'entends Anna. Oui, allô. Allez, Tidus, vas-y. Non, vas-y, faites-moi plaisir, écoutons Anna, comme ça tout est dit. Voilà, écoutons Anna. Ouais, écoutez, je trouve que la poule est plutôt relevée hein, pour une petite équipe de. Oh, je m'en doutais, ferme-la. Franchement, je trouve que c'est pas très sympa. Hein. J'ai emmené Kedo manger au chinois, je m'attendais à un groupe plus sympa, mais. Il n'y avait pas les boules chaudes. Voilà, on se moquait, c'est pas grave. Il y avait juste les bouches et vapeurs. Il avait des yeux sûrs après. Le groupe C, c'est là où il y a le plus d'équipes de Ligue 1, non? Ça dépend si on est maintenu ou pas. Voilà, non, potentiellement, le groupe C aurait certainement le plus de clubs Ligue 1. Oh, il y a quand même Mennesen, hein, champion de FVPA. Il y a Bestou, champion de je sais pas. Il y a Orc aussi. Independent Squad, c'est une bonne équipe aussi. LDA et Sport, ça je connais pas trop. TNT, je connais pas trop non plus. C'est Gomis, c'est. Lui, on l'a du cher. Lui, on l'a du cher, anciennement. GFC Gunners. Gunners, ouais, GFC Gunners. Le buteur, donc, là. Non, je vois on n'a pas compris. Le groupe C, t'as potentiellement 4 équipes de Ligue 1, mais le groupe A, tu as 4 équipes de Ligue 1. Ouais. T'as Alliance, t'as Militim. Et t'as Most, bon, ils sont capables. Et t'as Vegas surtout. Quelque chose, et puis t'as Vegas. T'as surtout Vegas. Attention, reste des bons morceaux. Hein. C'est bien. On fait que de répéter des noms. Moi, j'aimerais bien écouter Tidus par exemple. Never Back Down, c'est pas mal aussi. Hein. Ils ont fait vraiment un bel effectif. Là, ouais. J'aimerais bien écouter Tidus, Maltais, si vous pouvez les laisser parler, plus 5 minutes. Moi, je l'ai mis dans votre salon Radio Prépa à 12h13 quand vous avez commencé le tirage. J'ai dit sur mon Discord à N'Golo, j'ai dit, tu peux regarder, je l'ai copié. Hein. Tu paries qu'on a NSN et Bestou dans le groupe. Mais je le savais, mais ça fait une semaine que je lui dis à N'Golo, je dis c'est sûr qu'on aura NSN et Bestou dans le groupe. C'était évident. Chaque tirage, j'ai NSN dans le groupe, à chaque fois, ça n'a pas raté. La saison dernière, la CPL, j'avais déjà NSN. Donc, pour moi, c'est le groupe le plus difficile, sans cracher sur les autres groupes. Hein. Il y a quand même, on va dire, les 5 voire 6 équipes qui sont de très très bon niveau. Ça va être compliqué, faut pas se leurrer. Troisième de Ligue 1 l'année dernière, champion de Ligue 1 l'année dernière, Independent Squad qui joue la montée avec nous, ça me croit, on sait très bien, tout le monde sait très bien quelle équipe c'est. Des experts qui malheureusement n'est pas en division classique ou est reparti de plus loin je crois, mais on sait tous aussi qu'ils ont un assez bon niveau. Les autres connaissent un petit peu moins, mais on va pas cracher, on va pas se mentir. Hein. Il faut se méfier de Reborn, hein. C'était le pire tirage, je pense, qu'on pouvait avoir, même si je l'avais pressenti, malheureusement pour nous.
Bah, tu sais que c'est moi qui fais le tirage, donc t'es sûr que ça va être pourri pour vous. Hein. Ah, mais la prochaine fois, t'as qu'à lui payer chinois. Hein. La prochaine fois, tu lui payes chinois, t'auras un tirage moins. Bah, la preuve que non. Hein. Mais regarde, regarde, je ne te mens pas, tu regardes, je l'ai. Au début de votre tirage, je le savais. Je veux bien les chiffres du loto pour mardi, là. Je te regarderai ça. Tu peux les donner, ouais. Non, mais au pire, j'aurais pu te dire une équipe. Bon, on peut dire que c'est de la chance, mais deux quand même. C'est difficile à prévoir, mais là pour le coup c'est assez drôle même. On verra ce qu'on arrive à faire, de toute façon ça sera de se faire plaisir comme chaque saison et de regarder en fin de saison où on est, c'est pas grave. Ouais, attention à la rebond, comme disait Sino, c'est une très bonne équipe. Hein, ouais, après je connais pas, je dis pas qu'ils sont pas bons les autres équipes, mais je connais moins donc. Qui a fini deuxième l'année dernière en conférence A, Ligue A, donc... Potentiellement, non, franchement, plus je suis en train de regarder, plus de toute façon, il va y avoir du niveau. Ouais, c'est clairement équilibré. Là, il y a du niveau. Peu importe le groupe, on va assister quand même à une grosse bataille. Est-ce qu'on peut parler du groupe B, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut parler du groupe B? Oui. Avec Monsieur Maltais. Oui. J'essaie de l'inclure. Vous vous laissez pas parler les gens. C'est grave. Hein. Bonsoir, ma finette. Oui, oui, Malgo. Maltais, allez à sa belle. Alias la belle voix. Ouais, belle voix, je sais pas. En tout cas, il est un peu gay, des fois. Alors, le groupe B, c'était un groupe. Je t'avoue que j'étais assez content de pas tomber dans le C quand je voyais la tournure que prenait le tirage. Même si, quand j'ai vu la NSN, je me suis dit. Allez bien avec nous, Maltais. Ouais, ben je m'en suis dit, de toute façon, l'an dernier, on a fait que se jouer sur les phases finales CPL, KPL, tout ça. On vous a sorti en KPL, vous nous sortez en CPL. Ou l'inverse, c'est l'inverse. Mais bon, enfin voilà, je me suis dit à tous les coups, c'est pour nous. Et en fait, le groupe B, ben, le groupe B, il sera pas si facile que ça. Il y a quand même Undercover. Après, tu as des équipes solides aussi, comme Spartak Red Blood. Tu as Mafia Mila aussi, je crois. Parce que je suis désolé, j'ai pas le... oui, c'est ça. Tu as Spartak Red Blood, Crevasport, Vatos, Neox. Undercover, surtout. Ouais, voilà. Et Angel Wing là aussi. Ouais, c'est des équipes. C'est un tirage qui peut être piégeux. Il suffit que tu perdes des points contre des équipes qui sont réputées, on va dire, un peu moins fortes. Trouver en difficulté sur un groupe comme ça aussi. Donc, surtout que nous, on a quand même tendance à être justement moins bon quand il faut faire le jeu. Et contre certaines équipes, on va être obligé de le faire. Donc, je pense qu'il faut se méfier quand même. Non, le groupe B, il n'est pas si mal que ça. Et c'est bien, il y a des équipes qu'on connaît un peu moins, qu'on va découvrir aussi. C'est intéressant. C'est intéressant. Après, ouais, le groupe C est clairement au-dessus. Vous parliez de la Rebound tout à l'heure. La Rebound, ils ont quand même perdu leur chef de meute, Mimi Doghetto, qui est devenu papa, donc qui est sorti du truc chez eux. Mais il y a quand même des joueurs qui sont plutôt bons. Donc ça va être, ouais, le groupe C, c'est vrai que c'est impressionnant. Ouais. Ça risque d'être la guerre. Hein. Voilà pour ma part. Est-ce que Tweet est là? Est-ce que Monsieur Tweet est là? Oui, je suis là. Vas-y, nous t'écoutons aussi pour ton impression. Ouais, comme je l'ai dit avant, on va continuer à travailler et à essayer de tout gagner. Alors, je vais être clair avec vous, c'est le groupe que je redoutais parce que Samgro, ils vont venir à 100% et ils vont vouloir monter très rapidement. Donc ça va attirer aussi de gros joueurs. Bestou, c'est la rivalité NSN. Donc le match, il est déjà tendu d'avance. Orcs, ça reste mon ancien club, donc je suis content de les jouer. TNT2, c'est un pote à moi, donc je suis un peu déçu pour lui parce que ils viennent vraiment de débuter et ça va être vraiment très très dur pour eux dans ce groupe. Ribbon, je connais pas assez, je connaissais juste mes milieu ghetto et c'est tout. Donc, les experts, ben, ils reviennent sur. Ils sont partis, je pense. Ouais, ils sont partis puis ils sont revenus, donc voilà, je connais pas leur recrutement ni rien. Et DS, on les a joués, pour moi, sans être chauvin ou quelque chose, c'est l'équipe qui me fait le moins peur là-dedans. En tout cas, donc. Indépendant Squad aussi qui revient, qui est vraiment très bien aussi. Donc, bah, voilà. Ben est là, hein, il peut se prendre pour Indépendant Squad. Oui, mais Indépendant Squad, de toute façon, ça reste une bonne équipe. Ça reste un groupe solide, etc. Donc. Voilà. On va essayer.
c'est compliqué. Il y a de bonnes équipes. Bah, de toute façon, dans tous les groupes. Mais ouais, on va essayer. Moi, je suis ravi de tomber dans un groupe comme ça, où c'est relevé. Comme j'ai dit, notre objectif, c'est de monter en Ligue 1. Donc, si on monte en Ligue 1, on va forcément jouer des équipes de ce calibre-là. Donc, c'est pas pour se démonter après. On va faire notre mieux. On va prendre match après match. On va essayer de déjouer l'adversaire. Si on se place dans le haut de tableau, ce sera magnifique. On aura tout gagné. Bah, si on n'y arrive pas, bah, c'est pas grave. Parce qu'il y a des équipes qui sont très, très forts. Et ils sont là depuis longtemps. Donc voilà. On fera notre mieux. Puis, on essaiera... On essaiera d'aller, d'aller où on pourra. Et qu'est-ce qu'il en dit, Mika, en tant que tenant du titre ? Bon, bah, Sporting n'est plus là, mais lui, il est tenant du titre. Donc, est-ce qu'il est là, d'ailleurs, pour en parler ? Ou est-ce que je vais manger un ouragan force 5 ? Ouais, je pense que là, tu vas te manger un ouragan. Non, non, j'ai... Je me prêtais à décoller, là. Non, mais je disais, qu'est-ce que tu penses de ce tirage en tant que tenant du titre ? Bah, c'est des beaux groupes, en tout cas, ça c'est sûr. Je trouve que c'est même par rapport à la CPL précédente, j'ai l'impression que, bah, déjà il y a un condensé, groupe pour moi, mais c'est un peu plus... C'est plus condensé, ouais. Là. Ouais, c'est plus condensé, du coup, et... Ah, ça va se castagner dès le début, quoi. Ça va être pas mal, ouais, ça va être pas mal. Bah, c'est ce que j'avais dit un peu en parlant de la CPL de la saison dernière. C'est qu'il y avait beaucoup d'écarts en phase de poule entre certaines équipes. Moi, je vois par exemple avec le Sporting, on avait fini avec une seule défaite et tout, puis on est allé au bout. Et là, je pense que ça va être difficile pour toutes les équipes de faire un gros parcours sans perdre, sans se casser les dents. C'est pas mal, c'est pas mal. Tant mieux. Très bien. Est-ce que Thébé peut nous rappeler les modalités de qualification ? Car moi-même j'ai un doute là. C'est les trois premiers de chaque groupe, non ? Quatre premiers, non ? Faut déjà qu'ils jouent et qu'ils gagnent, et puis après on verra. Et sinon, comme je l'avais mis dans le. Parce que j'en ai déjà parlé un petit peu aux joueurs, enfin aux GM qui sont là, si je dis pas de bêtises, pour éviter de dire des conneries. Normalement, j'ai fait en sorte que ce soit les quatre premier de chaque groupe qui passe. Hop, CPL Info, j'avais mis le truc. Moi, je prends les 4 premiers, soit 12 clubs, pour faire ensuite deux groupes de 6 qui s'affronteront sur deux soirées, sur le principe des ladders qu'on a ouais. fait, pour déterminer ensuite les 4 finalistes qui feront un Final Four. C'est-à-dire qu'on passe de 3 groupes de 9 à 2 fois 6. À 2 groupes de 6. Donc là, je verrai le calcul à faire, c'est prendre le premier de tel groupe contre le deuxième, enfin, premier, deuxième, troisième de ce groupe, quatrième, etc. Pour arriver à deux groupes de 6 qui feront une soirée match retour. Donc ça leur fait 10 matchs en plus. Je dis pas de conneries. Non, j'ai des grosses conneries, ça fait 15 matchs en plus sur deux soirs, donc 30 matchs autour en plus. Et ensuite de faire le sur une soirée, je pense. Donc ça, on verra s'organiser. Mais ça peut être sympa. Très bien. Donc déjà, première étape, finir dans les 4 premiers, si vous voulez poursuivre. 4 sur 9, ça va, c'est correct. On arrive à 40%. Un peu moins, 35%. Moi, j'ai eu quelques réactions de certains GM qui ne seront pas avec nous sur le vocal. Ouais. J'ai la Neverbalian, donc dirigée par Dylan, Pato45, qui nous dit... Effectivement, le groupe qu'ils ont eu, c'est un groupe assez relevé. Ils voulaient vraiment se frotter à des grosses équipes et ils le résument très bien. Il faut qu'ils perdent. De toute façon, il faut gagner tous les matchs pour essayer d'être qualifié. J'ai Inferno, donc GM de la Bestou, qui directement me dit « C'est quoi ce groupe de la mort que je me tape ?» Donc, lui qui fait partie du groupe C. Non, alors après on en a reparlé, effectivement il dit que les adversaires qu'il a dans son groupe, c'est des adversaires qu'il connaît très bien, qui vont faire aucun cadeau. Et de toute façon, pour lui, son objectif, c'est de viser le top 3. Donc on sent une grosse détermination aussi. J'ai Sim qui lui est le GM de Family Team, dit que c'est beaucoup d'équipes qu'il a rencontrées en leader avec des sacrées surprises. Et que voilà, il y a certaines équipes où il va se méfier, où certains ils espèrent engranger des points, mais ils vont tout faire comme je pense toute équipe dans le CPL de pouvoir se qualifier.
Alors, j'ai Madriano qui lui est expert, qui me dit clairement que c'est un groupe très compliqué. C'est un tirage vraiment très difficile pour eux, mais ils vont tout faire voilà pour y arriver. Et ils pensent que ça les motive. Pour certaines équipes, ça aurait peut-être pu même leur faire peur le groupe C où ils ont été tirés. Donc voilà, on sent une détermination pour tous, malgré les. Pour moi, le groupe C qui est quand même le groupe de la mort, quoi. Ok, très bien. Bon bah écoutez, juste avant qu'on termine ce thème CPL, juste rapidement, allez, on va se mouiller parce qu'il pleut dehors. Qui termine premier de chaque groupe selon vous? Donc moi je pense que le groupe A c'est Vegasi, groupe B Undercover et le groupe C la petite. Ouais, je pars pareil. Donc, moi je vais changer. Undercover. Ouais, en tout. Vas-y. Groupe A, je pense que Family Team. Je pense que ça va être la paix. Et groupe C, ça va être Bestou, bien sûr. Bien sûr. aucune objectivité. Aucune objectivité, ouais, bien sûr. On a des quoi, en toute honnêteté, hein. Non, juste les premiers. Les premiers. Juste les premiers. Moi j'en ai une aussi, moi. Mais j'ai une autre aussi. Oui. Never Back Down dans le groupe. Undercover dans le B. Et Sam Crow dans le C. Ouais. Never Back Down dans le groupe A, c'est très osé. Je suis limite pour le groupe A à dire la même chose. J'hésite aussi avec No Name Boy qui va tenir la cadence qu'ils se sont mis au départ. Parce que faut pas croire, mais faire quelque chose. Attention, faut pas oublier Alérion. Hein. Ouais, c'était. Moi, c'est pour ça. C'est difficile. Moi, je vais déroger un peu. Moi, je dirais Under ou Pest sur le groupe C. Je dirais sincèrement, juste parce que j'aime bien Anna, il gagnera pas, donc ce sera. J'hésite entre PW ou Bestou. Mais même si là on donne pour à peu près tous nos pronostics sur qui va terminer premier, je pense que terminer premier sur les trois groupes, ça va jouer à des détails. Il va pas y avoir des gros écarts entre le premier et le deuxième, et même entre les quatre, ça va jouer pour moi aller à 3-4 points entre deux quoi, à chaque coup. Ouais. Parce que la peste, c'est un peu rare sur le groupe B, ça va être une bataille, ça va être une vraie bataille. Hein. Même pareil de l'autre côté entre Vegasi, Alliance et Family Team. Et de l'autre côté, alors entre Sam Crow, NSN, Bestou, Orcs et Independent Squad, voilà, ça va être plus qu'une bataille, là, c'est la guerre, quoi. Très bien, très bien, très bien. Je pense aussi. Bon, en tout cas, on a 10 minutes pour conclure cette émission. Donc, on va refermer ce thème tirage CPL. Et on va conclure gentiment, puisqu'il nous reste juste un petit thème. Point S2, je sais même plus ce qu'on a à dire dedans, je suis fatigué. je le vois tout de suite. Alors, thème 5. Pour la saison 2, pas grand chose. Si ce n'est que là, qui avait 10 sous, le mec, j'ai même pas eu le temps de répondre, il s'est barré du Discord. Donc, heureusement, petite liste. Ça change juste un club, donc là, je suis en train de les contacter. Rien de news du fait qu'on verra les résultats des barrages aussi. Ligue 2, pareil. Pour l'instant, rien ne bouge, j'ai pas eu d'infos, ça quittait. Donc voilà. Et Ligue 1, tout le monde reprendra le 4 février avec, pour les mecs qui font la CPL, ça vous fait quand même 4 matchs. J'espère que vous êtes organisés. Juste je retrouve, car on devait parler aussi du 5v5, car je crois que c'est lancé. Ah oui. Je me suis planté d'image, donc je retrouve vite fait l'image de 5v5. Voilà, screenshot. Boum. Tac. Transformé. Hop. Voilà. Magnifique image par Skyman, qui peut aussi nous en parler d'ailleurs. Bon, profiter. Il peut y aller. Ouais. Jette-toi à l'eau. C'est un ordre de gloire. Ah ouais, ouais. Ah non. Donc du coup, ouais, première saison du 5 qui va être lancée dimanche à partir du dimanche prochain.
Comme on voit... Ah, c'est bon, je vois. Comme on voit à l'écran, il y a pas mal de teams de Ligue 1 qui se sont lancés dans... Hein. Ça peut être pas mal. Donc après, première saison, donc on verra bien ce que ça donne. Pour info, c'est du dimanche au jeudi et pour match aller-retour. Donc c'est-à-dire première journée avec la deuxième journée en même temps. Voilà, après tu me donnes des questions. Ils s'organisent comme ils veulent. Ouais. Organisation de GM. Ah ouais, c'est ça, organisation de GM. Par contre, l'ordre des matchs est à respecter. Voilà. À peu de choses près, les trois de la même semaine, c'est la même semaine, ou les quatre de la même semaine, c'est la même semaine. C'est pas je vais commencer par le dernier parce que le mec il m'a répondu et puis je passe au quatrième et puis Non, en fait ils ont du dimanche au lundi pour jouer leur jeudi, oui. Ouais, voilà, pour jouer leur première journée et leur 22e journée. En fait, c'est d'accord. Comme à l'ancienne on faisait avant. Donc après je crois qu'il y a Peste Maltais qui s'est inscrit avec l'ESK. Ouais, c'est pas moi, c'est l'ESK qui s'est inscrit, ouais. Effectivement pour nous. Moi, je jouerais peut-être de temps en temps, mais ouais, ils se sont inscrits pour nous représenter. Ok. Ok. Un nouveau mode de jeu, quoi. Ouais. Et dans les modes de jeu, tant qu'à faire, on est en train de mettre en place aussi des uniques pour le week-end. Donc, je suis en train de discuter, de mettre ça en place avec celui qui sera un nouvel administrateur. Parmi nous pour s'occuper de ça. Et donc, on reviendra avec un peu plus de détails et d'informations pour le règlement tout incessamment sous peu, parce qu'on aimerait bien la commencer aux alentours du 15 février. Donc voilà, on vous en dira plus après. En rappelant aussi que le mercato se ferme mercredi. Ouais. En rappelant très, 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 très brièvement le principe, c'est que à la fermeture de celui-ci, si vous êtes dans un club sur le site, vous ne pouvez plus le quitter jusqu'à mi-mars. C'est-à-dire que vous êtes engagé avec ce club pour la phase d'aller du championnat. Donc, ce que moi je vous conseille, c'est que si vous êtes toujours indécis, vous ne savez pas trop où vous voulez jouer, et que vous avez rejoint le club pour X raisons sur le site, pour le ladder ou je sais quoi, bah, quittez-le dans le doute, quittez-le. Vous n'avez pas besoin de l'avis du GM. Quittez-le et vous serez agent libre, vous pourrez toujours rejoindre d'ici là. Et pareil pour les clubs, hein. Pensez à faire le ménage dans votre effectif. S'il y a des joueurs fantômes, n'hésitez pas à les enlever. Venez pas nous dire après ce joueur-ci mange un slot parce qu'il joue plus depuis 3 mois alors que vous aviez la possibilité de le kicker. Voilà. Non, ils ont encore la possibilité. Et vous avez bien sûr possibilité de recruter les agents libres à tout moment. C'est pas que jusqu'à mercredi. Hein. Vous pouvez toujours engager des joueurs lundi prochain, mardi prochain, dans 2 semaines, dans 3 semaines. C'est pour ça que les joueurs qui sont actuellement dans des clubs, ils ont intérêt aussi à faire la démarche eux-mêmes directement de se barrer pour ne pas être bloqués après. Parce qu'on va être très clair, on a fait suffisamment de pubs, de machins, d'avertissements. On va pas revenir nous voir en nous disant blablabla. Je savais pas et tout. En fait, passez le mot auprès de tous vos copains, les machins, qu'ils se mettent dehors, ils pourront rejoindre un club. Ils sortent pas du club maintenant, ils vont venir pleurer après, c'est même pas la peine. Ils iront jouer sur les autres sites s'ils veulent. Voilà. Voilà, alors je sais, Kobe, je sais pas si t'avais préparé un truc mercato. Mais... Si, mais je pense qu'on n'aura pas le temps. Ce que je te proposais de le faire, c'est qu'on va le faire la semaine prochaine avec un vrai récap bien comme il faut. Moi, j'ai failli sortir quand on venait de trouver notre Paganelli. C'est pas mal. J'aime bien les interventions avec le message du coach. Ah tiens, j'ai discuté avec lui pendant le match. Et tout. C'est aussi le but. Hein. C'est très sympa. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Le blabla d'hiver, vous m'excuserez, mais je pense que... Aussi juste le... Vas-y. La dernière chose, Marco, c'est la dernière semaine du mercato, donc il n'y aura pas de l'ADR cette semaine, mais il y aura certainement une ONC mercredi. Ouais, mais pour les personnes qui demandent, il n'y aura pas de l'ADR cette semaine. Ouais. C'est pour ça que Kedo n'a rien publié encore. Parce que cette semaine, on laisse jouer les barrages tranquillement. Voilà, on va laisser les GM préparer leur barrage. Je vous ferai sûrement une ONC mercredi pour vous préparer encore mieux. Et voilà, Et voilà, bon bah
comme je disais, le blabla d'hier, je pense qu'on va le sauter, parce que là, il est déjà quand même une heure. Voilà, on a fait le tour. Hein, voilà. L'équipe de France, on est toujours en deck pour la France. Le tirage CPL est fait. Donc, bah, écoutez, moi, je vous remercie hein, d'être venu sur le chat. Je remercie également les GM qui sont venus nous parler, les intervenants, et puis comme d'hab, hein, ceux qui étaient là pour la radio. Et on se revoit à la semaine prochaine. Ouais. Le calendrier dans le calendrier, le règlement. Je mets l'intro de fin et je vous dis bonne nuit. Ciao tout le monde. L'intro de fin.